Je suis ici au Québec. Je suis arrivé en 2001. En arrivant, je n'avais pas forcément l'intention de rentrer dans le milieu du social et du communautaire. Mais du fait d'un bagage que j'avais moi à l'époque où je vivais en France, j'ai été éducateur à l'époque. Et c'est ça qui m'a incité un petit peu à faire une immersion assez rapide dans la société québécoise. J'ai commencé à travailler pour un organisme qui faisait du travail de rue. Plusieurs mois j'ai fait ça et puis dans le cadre de mon travail j'ai été amené à côtoyer des jeunes qui ont commencé un petit peu à me parler de leur réalité, de leurs difficultés et c'est de là qu'est né en fait le projet Connexion. Connexion, ce qui a été Connexion pour la première fois en fait, c'est une émission de radio. En discutant le soir avec des jeunes au local où je travaillais, j'ai réalisé en fait qu'il y avait un manque à savoir leur donner la parole.
Donc, j'ai déposé un projet dans une radio, Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Et puis ce projet-là a été accepté. C'était une émission qui était destinée à donner la parole aux jeunes pour aborder des problématiques qui concernaient les jeunes. De là, de fil en aiguille, avec les résultats et puis l'engouement de la jeunesse, on a décidé en fait de chercher un financement pour proposer un projet. Ce projet, je l'ai appelé Connexion, pour faire en fait une continuité avec l'émission de radio. C'est un état d'esprit en fait que j'ai présenté dans le projet, qui était un projet axé sur le multimédia. Le bailleur de fonds qui s'est montré intéressé, c'est DRHC, du gouvernement fédéral, qui proposait à l'époque des services Jeunesse Canada, qui étaient des projets en fait d'insertion. Alors le projet, ça visait en fait à permettre aux jeunes de prendre leur place dans la communauté par le biais d'ateliers en multimédia. Donc j'ai choisi les volets vidéo et audio, avec l'émission de radio qui était aussi un outil prépondérant dans le projet. Et puis j'ai lancé mon premier projet avec le fédéral, qui durait l'équivalent de 30 semaines avec 8 jeunes. Oh, tu filmes pour de vrai? Complot 8, c'est 2. Moi, ça a commencé à peu près en 2003. J'avais lâché l'école, puis je cherchais un peu quoi faire de mon temps. Puis j'ai fini par rencontrer Yacine, qui me disait qu'il était coordonnateur d'un projet. Fait que j'ai commencé à suivre les jeunes qu'il y avait dans ce projet-là. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'était comme quelque chose d'axé sur le multimédia. Puis en même temps, c'était comme une grosse équipe, ça avait l'air d'une famille. Moi, j'étais à l'extérieur de ça parce que je participais pas encore, mais je me levais le matin comme eux, puis j'allais à la même place qu'eux y allaient, puis je suivais les mêmes formations qu'eux autres suivaient. Je veux dire, ils ont fait des vidéoclips, ils ont fait de la musique, puis ça m'intéressait beaucoup d'être là-dedans, mais j'étais pas arrivé dans le bon temps pour pouvoir rentrer dedans. J'ai connu Yacine, fait qu'on a développé un lien, puis ça a fait que un an plus tard, c'est-à-dire en 2004, il m'a appelé puis il a dit: tu veux-tu faire partie du projet en tant que membre pour la prochaine édition, c'est-à-dire l'édition 2004. Fait que j'ai accepté, puis là j'étais dedans, puis le voir de l'extérieur, c'est pas comme être dedans. Derrière moi. Yo, merci, c'est bon, mec, de bons conseils. C'est mon grand frère, mec. Non? Puis je le remercie même pour avoir me donné la chance. Ouais, je dis pas que je faisais avant de venir dans le projet. Mais, yo, je trouve que il m'a donné la chance, man, de devenir une better person, you know? De faire quelque chose que j'aime, qui m'empêche de la rue, you know? Puis je trouve que c'est une bonne chance. On m'a donné la chance de travailler ici avec un groupe de monde qui ne vient même pas à la même route que moi, qui ne sont pas à la même spot que moi. Tu sais, il fallait que je deal avec, il fallait que j'apprenne avec, il fallait que j'étudie avec, il fallait que je fasse des shows avec. Puis je trouve que ça a été une belle expérience, personnellement. J'ai aimé ça. Ouais, Ali, je sais pas, lui, c'est avant, c'est le style des gars genre, qui s'embarquaient dans n'importe quoi. Tu lui proposais une affaire dès qu'il y a question d'argent, ça marche. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus question d'expérience qu'il cherche. Je sais pas, comme ici, il me disait que c'est une bonne affaire, ça peut venir toujours plus tard. Oui, il a changé là. C'est plus le gars qui faisait n'importe quoi. Maintenant, il sait qu'est-ce qu'il veut, puis c'est ici, c'est sa musique là. Il parle juste de ça maintenant là. C'est vraiment... Ça a des nouvelles. La qualité, mieux vaut la voir en soi. Je balance pas des rimes plates. Faut que tu t'éclates dans la supporter. C'est ma passion, mon job. J'ai tout donné au hip-hop. Paris, New York, Colombie, Maroc, c'est le même. Ce projet en tant que tel, c'était une réelle réussite. On peut parler d'une réussite. Autant du point de vue de la production, de produits, que ce soit audio ou vidéo, mais aussi par rapport à, du fait aussi de l'impact que ce projet a eu au sein de la communauté, notamment de la communauté jeune. On rejoignait beaucoup, beaucoup de jeunes. Il y avait des ateliers qui étaient proposés dans une polyvalente, dans l'arrondissement de Villeray, Parc-Aix-Saint-Michel.
c'est bon. J'ai un volet audio, puis là-dedans, tout ce qu'on a appris, c'est comment enregistrer, comment masteriser, comment mixer, comment utiliser Fruity Loop, Acid, Pro Tools, comment faire des beats, comment plugger les fils, comment ça marchait un micro, comment isoler une pièce pour l'enregistrement. Moi, je savais déjà beaucoup de choses là-dessus, fait que j'en ai montré à plusieurs personnes. J'ai donné des cours à Lucien Pagé avant, puis j'ai réussi à former Ali pour qu'il aille en donner maintenant pour me remplacer. J'ai enregistré beaucoup des gens de la communauté ici, fait que c'était à peu près ça mon travail. Je m'appelle Nala, je me présente ici 2 à 3 fois par semaine pour chanter. Ce projet me donne le droit de réaliser un de mes plus grands rêves et j'espère que ça va me mener loin. Je travaille avec David alias Acro. C'est ça, là. Je me présente ici. J'aime beaucoup l'ambiance qui se trouve ici. C'est très chaleureux. Dès la première fois que j'ai mis pied dans ce local. Dommage que ça ferme dans un mois. Ça pouvait encore rallonger. Ça serait vraiment bien. Oui, aussi, j'ai réalisé 2 vidéoclips pour un des artistes avec qui je travaille à l'extérieur du travail qui s'appelle Online. Sûrement tout le monde le connaît. Le premier vidéoclip, c'est Papa. J'ai fait ça vraiment au début du projet, fait que je ne savais pas trop comment m'y prendre. On a eu des problèmes. Disons qu'on a tout centré, tout le tournage à un endroit, fait que ça fait un petit peu bizarre. Mais on a gardé quand même l'esprit. Très triste, très sombre, c'était l'automne, on en a profité. L'amour est top, le ciel, laisse-moi croire. En mon espérance, c'est le seul soir où je peux vivre. Je le respire, mais c'est plus vif. Des fois, ça fait mal, mais ça dérive. Tant que ça l'arrive, dis-moi où l'amour peut vivre. J'ai pas de peur, mais je me perds pas. Loin d'être perdu, tout ce que je veux, c'est faire du rap. J'ai pas de peur, mais je me perds pas. Loin d'être perdu, moi, ce que j'aurais voulu, c'est un papa. Dans quoi ça l'aide beaucoup, c'est que. Ça prend du monde qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais qui savent qu'ils aiment la musique, que ce soit parce qu'ils chantent ou parce que c'est un musicien ou parce qu'ils aiment ça, les vidéos ou le multimédia. Ça prend, je pense que nous autres, on était 7. Il prend 7 personnes qui ont toutes à peu près le même lien. Ça veut dire qu'ils aiment toute la musique ou ils aiment tout créer ou avoir les outils pour créer. Puis ça donne les outils pour faire ça. Il y avait un ordinateur pour faire les vidéos, une caméra. La musique, il y avait de l'argent pour faire des formations. On a eu des formations pour partir des entreprises. On avait une émission de radio à faire la gestion de. J'ai fait un album. Il y a eu une compilation qui a été faite, puis une autre compilation. Puis on avait tous les outils pour faire ça. Puis c'était du travail de 9 à 5. Non, 9h30 à 5h30. Donc, ça nous mettait dans le mood puis dans l'habitude de se lever comme des personnes normales, d'aller travailler, puis de finir de travailler, de rentrer à la maison, de faire nos petites affaires, train-train habituel, de se recoucher. Fait que ça donnait un train de vie. Puis en même temps, ça te montre que tu n'es pas nécessairement tout seul. Ça apprend à travailler en équipe. Je veux dire, des fois, pour moi, je parle, je suis quelqu'un qui est quand même motivé, mais j'ai quand même besoin une fois de temps en temps d'un petit coup de pied. Puis ça m'a aidé. Grâce à ça, j'ai réussi. Ça m'a donné comme idée d'aller à l'école. Fait que ce que j'ai fait, je me suis servi du projet pour aller à l'école, vu que j'étais habitué de me lever à 9h30 puis de finir le travail à 5h30. Ça m'a donné le courage d'aller à l'école parce que j'étais déjà dans cet horaire-là. Sauf qu'au lieu d'apprendre puis d'être payé, j'allais juste payer et apprendre. C'est pas la même chose, mais ça m'a rendu compte à quel point que j'aimais ça la musique, j'aimais ça la faire. Fait que je suis allé dans une école pour me spécialiser là-dedans. Puis c'est un peu grâce à ce projet-là qui m'a donné le petit coup de pied que j'avais besoin pour retourner à l'école. Parce que comme je disais tantôt, je ne l'ai pas dit, j'avais lâché l'école. Puis après, je suis embarqué dans ce projet-là. Puis connexe à ça, ben, je veux dire, j'ai travaillé beaucoup sur moi-même pendant ce projet-là. Parce que, je veux dire, de travailler en équipe, j'ai pas été vraiment habitué avec ça parce que j'ai pas de frère, pas de soeur. Mais là, on était une équipe et je dépendais des autres... de mes coéquipiers. S'il y en a un qui ne faisait pas la job demandée, ben ça pouvait retomber sur moi. Aussi, j'ai été responsable de gestionner une émission de radio. Fait qu'il fallait que j'amène des choses dans un certain délai. Fait que ça m'a appris à travailler avec des délais, avec des dates de tombée. C'est à peu près ça que ça m'a aidé à faire. Bonjour, je m'appelle Ali. Thank you.
accroche-toi, volume 1, tu restes accroché sans chauffer sur CD, c'est du pur son. En CCR aussi, on cesse pas de représenter. En cycle 2002, c'est juste live, tu restes accroché. Trop de personnes qui ont changé, trop de frères étrangers, trop d'idées, trop de questions que j'aimerais poser et me poser. Sur le mic, j'ai osé poser ma voix pour faire causer, sans trop surdoser. No, ahí va en la... Oye, atrás... Número. Bueno, ven. Sí. Ok, que uno se baje conmigo. Ven, me dice. Sí. ¿Dónde es la cama? ¿Y tú esperas aquí? No. Ah, voy. ¿Bien, Tano? Sí. No. No. Je suis là, André, là, c'est comme le père, là, you know. C'est le plus vieux de parmi nous. Toujours là, c'est comme pour nous donner des conseils, comme quand Yassine n'est pas là, quand on a des problèmes entre nous, Chikan est là, you know, pour nous séparer, pour nous aider, pour dire comme les gars, on a une équipe, you know. Hey, ça va? C'est pas drôle. Alors, tu fais confiance à toi. Bon, maintenant que vous me connaissez toutes, vous connaissez Ali, vous connaissez Josué, David, Billy, Mehdi, on va vous présenter quelqu'un d'un petit peu spécial. C'est grâce à lui que le projet a bien marché. Puis vu que, bon, Josué est bon pour les montages, on va pouvoir faire ça. C'est un petit 2 minutes dédicace à Yacine, notre coordonnateur préféré. Fait que voici un beau petit moment sweet, humoristique et juste pour toi, un petit 2 minutes, ça va être assez drôle. C'est un cadeau de Noël. Attendez, s'il vous plaît, ok? Je suis passé à la télé 2 fois ou 3 fois, ok? Si je suis une vedette, est-ce que vous m'entendez? C'est comme l'idée, Ok. J'avais arrêté l'école. Et au fond, je faisais des conneries là. Je faisais la rue, je venais ici. Et je participais, qu'est-ce qu'il y avait, les affaires de soir là. Local 18-25 le soir. Je commençais à venir là. Depuis que je connaissais Yacine et tout, je commençais à venir là et commençais à traîner un peu. Ça a fini que j'étais pris sur le projet et puis c'est ça. Jean-Claude Veralfaro. C'était qui ça, Jean-Claude Veralfaro, avant de commencer le projet? Je vais vous dire c'était qui. C'était un gars qui avait lâché l'école, qui travaillait à 8 et quelque chose l'heure, qui tous les jeudis, vendredis et samedis à la salsa tech avec ses cousins, puis ses amis, puis ses cousines et tout, qui aimait ça fumer, qui aimait ça faire de toutes les tripes, de toutes les folies qu'il y a. Je faisais rien d'intéressant parce que j'avais pas une base comme celle-là que j'ai eue en passant par le projet, tu vois. Hein? Je voyais pas les affaires comme je les vois maintenant après avoir passé par là. Hey, pas là, mec.
Moi, avant le projet, je faisais rien, j'allais pas à l'école. Je travaillais même pas, je cherchais des jobs. Puis j'envoyais mon CV, puis je faisais des beats chez moi. C'est tout, je faisais rien d'autre là. Je faisais rien moi. C'était une période où je n'avais pas de travail. Je restais chez moi. Non, ris pas en arrière. Ok, continuez. Oh, excuse-moi. Il y avait différentes cultures, puis tout ça. Puis qu'on était tous des immigrants dans un seul projet. Puis tu sais, il y avait une seule fille aussi, so elle faisait une grosse différence, même si elle était tout seul. C'était ça. Puis tu sais, je m'attendais pas à voir autant de monde non plus là, sur un projet comme ça. Waouh, c'est fou, puis c'est impressionnant de voir tellement de monde différent, être intéressé par la même affaire, puis vouloir s'en aller dans le même chemin. Même si très souvent c'est pas la même chose, mais en fin de compte ça finit toujours par être la même chose. Hein? Je suis resté impressionné de voir qu'il y avait autant de jeunes comme moi qui s'intéressaient à la même chose. Ouh, c'était. Fallait que j'apprenne à connaître les gars pour commencer. Je connaissais José et Yassine. Ça c'est. Je les connais depuis l'année auparavant. Mais par rapport aux autres, fallait que j'apprenne à les connaître. Qu'on fasse une bonne chimie et tout. Et qu'on avance tout dans le même sens. Non, mais si tu mets le background bleu, puis l'affaire du métro bleu, ça s'arrêtera pas. Ouais. Parce que l'affaire du métro, elle est bleue. Ouais, je sais, mais l'affaire que je te dis, c'est pas le signe du métro, là. C'est t'as pas mal. Pas le signe du métro, le signe de musique, là. Ouais. Le moment le plus cool. Ah, c'est sûr, le moment le plus cool, c'est. Il y a plusieurs moments le plus cool. C'est sûr, quand on est là, quand on fait des jokes, quand on s'amuse entre nous, il y a aussi quand on travaille. Parce que quand on travaille, quand l'autre. On a commencé, on savait rien, mais quand tu vois ton coéquipier qui fait quelque chose de bien, t'es content pour lui, ou toi-même tu fais quelque chose de bien, t'es content pour toi. Le montage aussi c'est drôle, on fait des conneries et tout devant la caméra, mais quand on revoit ça, on fait juste rire et tout. Et puis cool, je pense que c'est ça, sinon c'est quand ça a été entre nous, quand on restait entre nous, puis on parlait, on faisait des affaires comme ça. Quand Yassine, Josué nous aidait, quand on avait des problèmes, ils étaient là, c'est ça, c'est très très cool comme quand t'as des personnes comme ça qui peuvent t'aider. Des moments les plus cool, il y en a tous les jours, tu vois. Déjà le matin quand t'arrives, puis tu vois que tout le monde est là, que tout le monde est chill, c'est des moments super cool, mais vraiment le moment le plus cool pour moi, wow, je pourrais pas t'en dire un seul, tu vois.
Parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement qui ont été cool. Même quand on faisait les affaires qui n'avaient pas rapport, c'était cool parce qu'on apprenait à travailler avec les autres. Puis on voyait les affaires comment elles se passaient pour de vrai. Mais pour moi, le moment le plus cool, je peux te dire que ça l'a été. Pour moi, le plus cool. Sincèrement. Bon, le plus cool pour moi, c'est quand on était tous là, puis qu'on travaillait tous sur la même chose, puis qu'on était capable de se mettre d'accord sur une affaire, même si on avait tous des opinions différentes. Le moment le plus cool, c'est quand tu viens au travail. Parce que tout le monde est cool au travail. Tu sais, bon, des fois on chicane, mais quand tout va bien là, tout le monde est là, tout le monde rit, tu sais, on niaise Ridolfis, on niaise JC avec ses empenada, puis tout ça là. Puis on a du fun là, tu sais, puis on a du fun en faisant le travail en même temps là. Moi, c'est ça que je trouve le fun, moi. Rudy, c'est un bon producteur, il fait de la bonne musique. Mais je savais pas moi aussi qu'il était comédien, qu'il faisait de la publicité, des affaires comme ça. Bon, et ce matin, je me suis donné un journal parce que j'ai trouvé Rudy. Attention, le bon. Fais un applaudissement. Bon, on est ici aujourd'hui, c'est incroyable. Attends, laisse-le voir. J'avais un contrat de 6 mois, 15 heures par semaine, dans un projet de multimédia. Mais je n'ai pas eu la chance vraiment. Je ne comprends pas parce que. Je ne comprends pas parce qu'ils ne m'ont pas donné l'opportunité. Parce qu'avec 15 heures par semaine, je ne pourrais pas vivre. Et ça tombe exactement dans les 2 derniers mois qui me restaient pour finir ma formation. De toute raison, je n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi ils m'ont bloqué. Peut-être pour l'argent, mais comme je t'ai dit, 15 heures par semaine, ça ne fait pas la grande différence à ce que je dois payer pour vivre. Ça m'a vraiment blessé et j'ai perdu la confiance, moi et même l'équipe de travail, parce que on pensait qu'il était là pour vraiment nous aider, parce que c'était une bonne opportunité pour nous. Mais ils m'ont fermé les portes où je pourrais vraiment trouver mon expérience qui me permettrait peut-être de trouver un emploi à Lyon. En gros, c'est ça. Ça me fait chier parce que c'était ma chance. Et vraiment, c'était possible pour moi, mais je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas donné la chance, vraiment. C'est ça. Je le sens beaucoup pour lui, c'est sûr que oui, parce que tiens, c'est un projet qu'on sort comme connexion, qu'aujourd'hui je gagne ma vie en train de faire ce que moi j'aime, montage de vidéos, documentaires, puis tout ça, là, tiens. Pourquoi pas pour lui? J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais on a travaillé sur lui, puis j'espère qu'il a compris le message. Là, j'ai pas accepté ça. On a fait trop de choses, on est arrivé trop loin pour que tout ça, ça brise. Alors, on était vraiment fâchés, puis moi, ça m'a vraiment pissed off. Puis pour me faire pissed off, moi, ça prend vraiment beaucoup. Quelque chose arrivait où il y avait un problème, ça affectait toute l'équipe. Quand toute l'équipe commençait à se poser des questions, on commençait à s'inquiéter et tout parce que on formait une équipe, une famille, c'est ça. Et puis tout ça venait casser toutes les rythmes. On n'avait même plus le courage, on n'avait même plus d'affaires d'avancer, de travailler, ça a tout cassé, ça a tout. Ça fait juste rajouter des affaires. Il y a des affaires qui se passent entre nous, c'est normal ça. On ne se connaissait pas et tout. Mais quand il y a des affaires comme ça, par rapport au monde qui sont supposés de foutre la paix, et ils arrivent avec d'autres problèmes de plus, alors ça fait juste ralentir, puis donner plus l'envie de continuer à travailler.
quelque chose que ça va toujours être là, tu comprends? Puis quelque chose qu'on a, on n'a pas su comment gérer ça. C'est ça qui est arrivé, puis c'est ça qui nous a ralenti. C'est des choses qui vont toujours arriver. Il va y avoir toujours du monde qui vont voir que quand tu es en train d'avancer, ils vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, tu comprends? Peut-être parce qu'ils veulent qu'on reste toujours à la même place. Ou... À un moment donné, pour réaliser que ce que tu fais, tu l'aimes, ça t'en fait une passion, puis tu oublies l'échec complètement, là. C'est ton travail, c'est ce que tu aimes faire, là. Ça t'oublie complètement l'échec, puis tu fais ce que tu aimes faire, mais tu le fais ordonné. Moi, ma mère, tu sais, on a vu dans un quartier défavorisé, puis tu sais, c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi gros. Puis c'est la première chose, la première fois que ma mère voit que je fais quelque chose, puis c'est vraiment sérieux là. Quand je lui ai dit, tu sais, je m'en vais à l'église avec toi, mais il faut que j'aille rencontrer le maire Bourg pour l'interviewer puis tout ça, ma mère a vu que c'était vraiment quelque chose, c'est d'important pour moi. Puis la vue en même temps, c'est quelque chose de grand. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'un noir comme moi de la communauté haïtienne va voir un maire Bourg, un jeune, puis là il va aller l'interviewer ou bien lui serrer la main puis l'appuyer dans son, dans sa campagne. Ça a été une belle expérience, mais j'étais nerveux puis c'était. Ça aurait pu être mieux, mais comme je suis pas habitué, ça a été qu'est-ce que ça a été là. Mais au moins, c'est des belles expériences, puis c'est des belles choses que j'ai appris, puis des bonnes choses. Moi, j'ai tellement appris d'affaires, mais ça, c'est parce que je me suis ouvert l'esprit, puis j'étais venu pour ça. Que je trouve le plus important dans ce projet-là, si tu veux sortir de la rue, c'est pas sortir de la rue, tu vas toujours être assis dans la rue pareil, mais si tu veux sortir de la rue, faire de quoi ta vie durant la journée, c'est la place pour, c'est le projet pour, parce que les jeunes, à ce temps-ci, il n'y a pas grand-chose qu'ils aiment. À part les, surtout le multimédia, c'est très 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 important pour les jeunes. J'étais un jeune, j'aime ça. Et plein de jeunes, mes amis aussi, ils viennent ici, ils aiment ça. Mais le plus important, si je pense, c'est comme je t'ai dit, c'est de commencer à... Tout le monde qui fout rien dans leur journée, puis commence à venir le matin, commence à faire du travail, commence à avoir les choses qu'ils font, et commence à apprécier des affaires que lui-même il fait, et commence à apprécier ce que l'autre d'à côté il fait. Tu crées des liens d'amitié, tu crées des... T'apprends à connaître le monde, t'apprends à savoir c'est quoi la vie. Mon primordial, genre d'ici 25 ans, là, ce que je veux, au futur, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver, je peux comme mourir la semaine prochaine. Comme... Mais d'ici 25 ans, ce que je veux, c'est être bien économiquement, avoir une bonne job que j'aime faire. Puis être en train de commencer un business, être en train d'acheter quelque chose, être en train de faire quelque chose, de créer quelque chose. Avoir mon, ma belle auto, avoir mon appartement ou mon duplex, mon triplex. Tu sais, que je sois déjà en train d'investir dans, dans mon futur. Et être bien, tu sais, être bien socialement, être bien sentimentalement. Puis un jour me marier et avoir des enfants. Avoir des kids, là, tu sais, avoir un petit Jean-Claude, là, ça serait chill, ça. Je me verrais comme ça. Mais pour le moment, c'est vraiment des études, finalement secondaire. Faire mon DEP, quelque chose. Puis après, on passera aux autres choses. C'est là que je me vois. Ben oui, je revois des affaires que ça fait peut-être 7 mois que tu as déjà fait. Ça fait toujours chaud au cœur. Ça fait des affaires qui sont drôles à voir. Ça fait des affaires qui vont te manquer. Ce projet, moi, j'ai réalisé à quel point il y avait une envie, à quel point il y avait un besoin de rêver. Et qu'en fait,
malgré toutes les choses qui existent ici au Québec, y a des jeunes qui restent sur la touche ou qui n'ont pas forcément de rêve à long terme ou qui n'arrivent pas forcément à penser à plus tard. C'est des jeunes qui ont plus l'habitude à penser au quotidien. Et ce projet-là, ça leur a permis de commencer à formuler des rêves, à formuler des souhaits. Et moi, ça a été vraiment, vraiment, ça a été ma récompense pendant ce projet-là. C'est de voir les participants en train d'interviewer M. Bourque ou bien Elsie Lefebvre, ou bien de participer à la réalisation d'un documentaire sur la problématique de la drogue qui a été présenté publiquement et qui a reçu un très, très, très bel accueil. Tout ça, c'est des outils pédagogiques et ce sont les participants qui ont participé à tout ça. J'ai beau avoir des résultats positifs avec mes participants, j'ai des moments où c'est vraiment très intense que je vais avec les participants. L'absence de reconnaissance de la part des personnes qui sont supposées assister et encourager les personnes qui travaillent sur ce projet-là commence à peser. Cette absence, c'est non seulement une absence, mais c'est carrément des problèmes qui sont amenés juste pour le plaisir de faire des problèmes. Ça m'a amené à prendre la décision ce soir que cette année, je ne reconduirai pas de projet. I know what they need, and if they want it, I got it indeed. I know what they want, I know what they need, and if they want it, I got it Yo, indeed. La conquista, vamos a conquistar las mamacitas. Escúchame diablita, óyeme esa rimita. Tú vas a gritar como una loquita cuando yo te voy a levantar la faldita. Suavecito te voy a agarrar por la colita. Vas a gozar como una maldita. Llego tu chileno, mi hijita rica, el que te hace bailar mi negrita. Te pongo a vacilar la noche enterita. Oye mamacita, no te hagas la bendita, que yo te conozco, te gusta bien durita. Hacelo bailando, vamos bailando, hacelo bailando. Una de la mañana yo encontré qué voy a hacer. Yo estoy como una loca que me sabe complacer. Arreta como Lice, que lo que calma su sed es un trago de alice, no le importa amanecer. Tripleta donde quiera, ahorita bailamos y eso es una loquera. Es exagerado el movimiento de su cadera. Ella pasa un cambio lentamente y se acelera. Esa es la mujer que cualquiera se lo altera. El tipo se desespera y saca su cartera. Le compra lo que quiera, solo hay un problema. Va con cualquiera, le gustan los juqueados, los chama como el criado. Eso que en el club tan tranquilo de su lado, que no andan haciendo bulto aunque están arrebatados. Que le han metido la mano a todo lo que han inventado. Dos de la mañana el puente está encetado, el blon ya está matado. Estoy con otra chori bailando los sobao. No me ha perdido de vista, me tiene ubicado. Eso no me hace nada y ese pleito está casado. Ici le projet Conexión. 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 Cuerpo bendecido, que mismo dormido gozaría así. Tiene una sonrisa y labios que incitan. Sin ninguna prisa, ya la tengo aquí. No preguntes nada, bébela con ganas. Disfruta el momento y te haré soñar. Ella se sonríe, mueve su cabeza. Partimos ansiosos si la noche empieza. Goza mamacita. Je le sens beaucoup pour lui, c'est sûr que oui, parce que tiens, c'est un projet qu'on sort comme connexion, qu'aujourd'hui je gagne ma vie en train de faire ce que moi j'aime, montage de vidéos, documentaires, puis tout ça, là, tiens. Pourquoi pas pour lui, j'ai rien compris, mais on a travaillé sur lui, puis j'espère qu'il a compris le message, là, tiens. Moi, j'ai pas accepté ça. On a fait trop de choses, on est arrivé trop loin pour que tout ça, ça brise, alors... T'sais, on était vraiment fâchés, puis moi, ça m'a vraiment pissed off. Puis pour me faire pissed off, moi, ça prend vraiment beaucoup. Quelque chose arrivait où il y avait un problème, ça affectait toute l'équipe. Quand toute l'équipe commençait à se poser des questions, on commençait à s'inquiéter et tout, parce que on formait une équipe, une famille, c'est ça.
puis tout ça, ça venait casser toutes les rythmes. On n'avait même plus le courage, on n'avait même plus d'affaires d'avancer, de travailler, ça a tout cassé, ça a tout. Ça fait juste rajouter des affaires. Il y a des affaires qui se passent entre nous, c'est normal ça, on ne se connaissait pas et tout. Mais quand il y a des affaires comme ça, par rapport au monde qui sont supposés de foutre la paix, et ils arrivent avec d'autres problèmes de plus, alors ça fait juste ralentir, puis donner plus l'envie de continuer à travailler. Quelque chose que ça va toujours être là, tu vois, puis quelque chose qu'on a, on n'a pas su comment gérer ça. C'est ça qui est arrivé, puis c'est ça qui nous a ralenti. C'est des choses qui vont toujours arriver. Il va y avoir toujours du monde qui vont voir que quand tu es en train d'avancer, ils vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, tu vois. Peut-être parce qu'ils veulent qu'on reste toujours à la même place. Ou... À un moment donné, pour réaliser que ce que tu fais, tu l'aimes, ça t'en fait une passion, puis tu oublies l'échec complètement, là. C'est ton travail, c'est ce que tu aimes faire, là. Ça t'oublie complètement l'échec, puis tu fais ce que tu aimes faire, mais tu le fais ordonné. Ma mère, tu sais, on a vu dans un quartier défavorisé, puis c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi gros. Puis c'est la première fois que ma mère voit que je fais quelque chose, puis c'est vraiment sérieux là. Quand je lui ai dit, tu sais, je m'en vais à l'église avec toi, mais il faut que j'aille rencontrer le maire Bourque pour l'interviewer, puis tout ça, ma mère a vu que c'était vraiment quelque chose, c'est d'important pour moi. Puis la vie en même temps, c'est quelque chose de grand. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'un noir comme moi, de la communauté haïtienne, va voir un maire Bourque, un jeune, puis là il va aller l'interviewer ou bien lui serrer la main puis l'appuyer dans sa campagne. Ça a été une belle expérience, mais j'étais nerveux puis c'était. Ça aurait pu être mieux, mais comme je suis pas habitué, ça a été qu'est-ce que ça a été là. Mais au moins, c'est des belles expériences, puis c'est des belles choses que j'ai appris, puis des bonnes choses. Moi, j'ai tellement appris d'affaires, mais ça, c'est parce que je me suis ouvert l'esprit, puis j'étais venu pour ça. Ce que je trouve le plus important dans ce projet-là, si tu veux sortir de la rue, c'est pas sortir de la rue, tu vas toujours être assis dans la rue pareil, mais si tu veux sortir de la rue, faire de quoi ta vie durant la journée, c'est la place pour, c'est le projet pour, parce que les jeunes, à ce temps-ci, il n'y a pas grand-chose qu'ils aiment. À part les, surtout le multimédia, c'est très 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 important pour les jeunes. J'étais un jeune, j'aime ça. Et plein de jeunes, mes amis aussi, ils viennent ici, ils aiment ça. Mais le plus important, si je pense, c'est comme je t'ai dit, c'est de commencer à... Tout le monde qui fout rien dans leur journée, puis commence à venir le matin, commence à faire du travail, commence à avoir les choses qu'ils font, et commence à apprécier des affaires que lui-même, il fait, et commence à apprécier ce que l'autre d'à côté, il fait. Tu crées des liens d'amitié, tu crées des... T'apprends à connaître le monde, t'apprends à savoir c'est quoi la vie. Mon primordial, genre d'ici 25 ans, là, ce que je veux, au futur, je sais pas ce qui peut arriver, je peux comme mourir la semaine prochaine. Comme... Mais d'ici 25 ans, ce que je veux, c'est être bien économiquement, avoir une bonne job que j'aime faire. Puis être en train de commencer un business, être en train d'acheter quelque chose, être en train de faire quelque chose, de créer quelque chose. Avoir ma belle auto, avoir mon appartement ou mon duplex, mon triplex. Tu sais, que je sois déjà en train d'investir dans mon futur. Et être bien, tu sais, être bien socialement, être bien sentimentalement. Puis un jour me marier, avoir des enfants, avoir des kids, là, tu sais, avoir un petit Jean-Claude, là, ça serait chill, ça. Je me verrais comme ça. Mais pour le moment, c'est vraiment des études, finir mon secondaire, faire mon DEP, quelque chose. Puis après, on passera aux autres choses. C'est là que je me vois. Oui, tu revois des affaires que ça fait peut-être 7 mois que tu as déjà fait. Ça fait toujours chaud au cœur. Ça fait des affaires qui sont drôles à voir. Ça fait des affaires qui vont te manquer.
Ce projet, moi, j'ai réalisé à quel point il y avait une envie, à quel point il y avait un besoin de rêver. Et qu'en fait, malgré toutes les choses qui existent ici au Québec, il y a des jeunes qui restent sur la touche ou qui n'ont pas forcément de rêve à long terme ou qui n'arrivent pas forcément à penser à plus tard. C'est des jeunes qui ont plus l'habitude à penser au quotidien. Et ce projet-là, ça leur a permis de commencer à formuler des rêves, à formuler des souhaits. Et moi, ça a été vraiment, vraiment, ça a été ma récompense pendant ce projet-là. C'est de voir les participants en train d'interviewer M. Bourque ou bien Elsie Lefebvre ou bien de participer à la réalisation d'un documentaire sur la problématique de la drogue qui a été présenté publiquement et qui a reçu un très 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 bel accueil. Tout ça, c'est des outils pédagogiques et ce sont les participants qui ont participé à tout ça. J'ai beau avoir des résultats positifs avec mes participants, j'ai des moments où c'est vraiment très intense que je vais avec les participants. L'absence de reconnaissance de la part des personnes qui sont supposées assister et encourager les personnes qui travaillent sur ce projet-là commence à peser. Cette absence, c'est non seulement une absence, mais c'est carrément des problèmes qui sont amenés juste pour le plaisir de faire des problèmes. Ça m'a amené à prendre la décision ce soir que cette année, je ne reconduirai pas de projet. They want, I know what they need, and if they want it, I got it indeed. I know what they want, I know what they need, and if they want it, I got it Yo, indeed. La conquista, vamos a conquistar las mamacitas. Escúchame, diablita, óyeme esa rimita. Tú vas a gritar como una loquita cuando yo te voy a levantar la faldita. Suavecito te voy a agarrar por la colita. Vas a gozar como una maldita. Llego tu chileno, mi hijita rica, el que te hace bailar, mi negrita. Te pongo a vacilar la noche enterita. Oye, mamacita, no te hagas la bendita, que yo te conozco, te gusta bien durita. Hacelo bailando, vamos bailando, hacelo bailando. Una de la mañana yo encontré que voy a hacer. Yo estoy como una loca que me sabe complacer. Arreta como Lice, que lo que calma su sed es un trago de Alice, no le importa amanecer. Tripleta donde quiera, ahorita bailamos y eso es una loquera. Es exagerado el movimiento en su cadera. Ella pasa un cambio lentamente y se acelera. Esa es la mujer que cualquiera se lo altera. El tipo se desespera y saca su cartera. Le compra lo que quiera, solo hay un problema. Va con cualquiera, le gustan los juqueados, los chama como el criado. Eso que en el club tan tranquilo de su lado, que no andan haciendo bulto aunque están arrebatados. Que le han metido la mano todo lo que han inventado. Dos de la mañana el puente está encetado, el blon ya está matado. Estoy con otra chori bailando los sobao. No me ha perdido de vista, me tiene ubicado. Eso no me hace nada, y ese pleito está casado. Y si el proyecto, conexión. 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 Cuerpo bendecido, que mismo dormido gozaría así. Tiene una sonrisa y labios que incitan. Sin ninguna prisa, ya la tengo aquí. No preguntes nada, bébela con ganas. Disfruta el momento y te haré soñar. Ella se sonríe, mueve su cabeza. Partimos ansiosos y la noche empieza. Goza, mamacita.